Le Maroc et la République de Guinée se sont engagés à renforcer leur coopération en matière de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la planification urbaine. Les deux parties ont signé hier à Rabat un protocole d'accord de coopération dans ce sens. Il vise à renforcer la coopération et le transfert du savoir-faire et des bonnes pratiques. Le but est aussi d'approfondir les échanges au niveau institutionnel, législatif et opérationnel en matière d'aménagement des territoires et de développement urbain et rural. Le protocole a été signé par le ministre de l'Aménagement du Territoire National et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fehri, et le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire de la Guinée, Ibrahima Kourouma, que je vous propose d'écouter. Ce qui va être pris en compte, c'est-à-dire le renforcement des capacités, l'assistance profonde du Maroc. J'ai dit ici, on a déjà deux grands contrats, deux grands projets avec le Maroc, trois même d'ailleurs, avec le Maroc en ce qui concerne l'aménagement liquide, l'assainissement liquide, en ce qui concerne le plan cadastral, c'est-à-dire le plan foncier, mais aussi la construction de la ville nouvelle, en tout cas la mise à niveau urbain de la ville de Kaloum. Donc nous sommes dans ce chemin-là aujourd'hui. Je pense que les choses sont en train d'aller très vite parce qu'au niveau de l'assainissement liquide, les travaux sont très avancés. Il y a eu un démarrage. Au niveau de la mise à niveau urbain, aussi, le ministre me disait tout à l'heure, parce que le Maroc doit, il doit avoir un appel d'offres ici. Le Maroc a déjà lancé l'appel d'offres, l'adjudication est faite. Et nous sommes en train d'aller vers le mois de mars pour le début des travaux. Je crois que ceci montre aussi combien de fois la Guinée est rattachée au Maroc et combien de fois le Maroc apporte son appui à la Guinée. Encore une fois, je voulais rappeler ici et insister des rapports qu'il y a entre les deux premiers responsables, le roi Mohamed VI et Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et le professeur Alpha Condé, le président de la République. Vous connaissez très bien les liens qui les lient, c'est des liens séculaires. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons profiter de l'apport du Maroc.